Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics conseils, mes 5 pronostics conseils comme tous les week-ends. Avant de commencer, je souhaiterais parler de la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, une vidéo qui explique comment s'inscrire sur un site de paris sportif. Vous pouvez retrouver le lien en dessous de la vidéo dans la description. Vous pouvez également bénéficier de 100 euros d'offert chez Unibet dès maintenant sur votre premier pari. Vous retrouvez également le lien dans la description sous la vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet où Séville reçoit Grenade. Séville, quatrième équipe à domicile cette saison. C'est déjà 11 victoires à domicile sur 15 matchs et seulement 9 petits buts d'encaissés. Autant dire que Séville est une équipe extrêmement solide. Grenade de son côté, malgré un beau parcours en Ligue Europa, est à la 8e place de ce championnat espagnol. Grenade, c'est quand même 9 défaites à l'extérieur cette saison. Je vous conseille donc de miser sur une victoire de Séville, victoire 2-0. Autre match pronostic conseil. On reste en Espagne avec Villarreal qui reçoit le FC Barcelone. Le FC Barcelone doit absolument gagner ce match pour espérer accrocher le titre de champion d'Espagne. Villarreal, de son côté, est 7e avec un point de retard sur la Real Sociedad et peut encore espérer jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Villarreal aura certainement son match de jeudi prochain contre Arsenal dans la tête. Je vous conseille donc de miser sur une victoire du FC Barcelone. Mon pronostic, 3-1. On se dirige maintenant tout droit en Italie où l'Atalanta Bergame reçoit Bologne. L'Atalanta Bergame est une très belle équipe. Victoire à domicile, 1-0 contre la Juve. Match nul, 1 partout contre la AS Roma. L'Atalanta nous procure du spectacle chez eux. Bologne de son côté est dans le ventre mou du calcio. Bologne ne peut plus rien espérer cette saison. Je vois donc une victoire de l'Atalanta comme à son habitude, 3-2 avec beaucoup de buts. On se dirige tout de suite en Ligue 1 Uber Eats où Angers reçoit Monaco. Monaco qui reste sur 4 victoires à l'extérieur et Angers qui vient de prendre une raclée en Coupe de France contre le PSG 5-0. Les Angevins n'y sont plus du tout. Je pense que les Monégasques n'auront aucun problème à s'imposer contre Angers. Victoire de Monaco, 2-0. Et enfin, dernier pronostic conseil, on se dirige en Allemagne où on va assister à un beau match de foot entre Wolfsburg et le Borussia Dortmund. Il faut savoir que Wolfsburg n'a plus gagné contre Dortmund depuis le 5 décembre 2015. Dortmund est clairement la bête noire de Wolfsburg. Je vous conseille donc, pour ces raisons, de miser sur une victoire de Dortmund remboursée 6 matchs nuls. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche ci-dessous qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt !